Salut YouTube. Entraînement Carsi Cup numéro 5. Je pense qu'on va prendre cette classe, en fait, j'avais pas fait gaffe, mais on a le bouclier de la tortue, on a une arme de saignement et on a une méga épée. J'ai même pas besoin de regarder à la limite là. Double truc, la torche, épée plus arc, c'est nul, ça c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Ouais, donc vagabond, hein. Vagabond direct. Alors, modèle de base, regardez. Apparence détaillée, chargé favori. Et oui, on joue avec, du coup, ce personnage incroyable. Tu penses que, il pense que beaucoup vont faire 50 minimum? Ah ouais? Putain. Moi, de toute façon, je me classe pas dans, dans le haut du panier. Je me classe dans la poule juste en dessous de ceux qui font les 50. Moi, déjà, si j'arrive... Sans déconner, si j'arrive à améliorer mon routing en un mois là, et à faire 40 le jour de la K-Cup, je serais très content. Salut Bloody End, bienvenue. T'as intérêt à faire top 1, j'en rêve, franchement j'aimerais bien. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 3, 2, 1, c'est parti. Et salut Empereur, comment tu vas Empereur? Ce qui est cool, c'est que du coup, de m'entraîner à la K-Cup en stream comme ça, ça m'entraîne à être déconcentré le jour de l'événement. Et ça, c'est top. Ça, c'est super bien. Parce que j'ai besoin, en fait, de pouvoir m'entraîner en étant déconcentré. Ah, le son, il est un peu bas, non? Ah non, pas du tout. Plus je suis déconcentré là, et en fait, et plus je suis capable après le jour de l'événement. Donc allez-y, vous pouvez me poser des questions énervantes, vous pouvez me... vous pouvez m'emmerder. Putain, c'est con de pas pouvoir le buter, lui. Putain, mais il pionce, en fait. Alors en plus, il a des délais de l'infini, lui. Mais... Il faudrait regarder les mobs de près un peu, quand même, hein. Du sel avec ton sel. Salut Johansson. Saluté. Ouais. Pour mes réglages, j'ai pris le V9 avec les fichiers de Carsi, ouais. Salut Lilou. Comment tu vas Lilou? On s'entraîne dur. J'ai vraiment une... Par contre, un stuff de merde, hein. Côté protection, là. Ouf. J'ai une robe, quoi, en gros. Là, ça va, en setup, on peut parler. Et je trouve que la classe du vagabond, c'est la meilleure. Vous savez pourquoi? Parce que côté vigueur, on a déjà 15 points de base. Et en fait, pour passer les 30, du coup, c'est beaucoup moins compliqué. Ah, ça, je peux l'utiliser direct. Ok. Elle est pas mal, ma classe de départ, là. Ouais, avoir les pierres 1 et 2 assez vite, c'est vital. C'est pour ça que moi, je me disais, mais pourquoi dès que j'ai 25 000, je vais pas demander à Calais où est la perle? Mais en fait, vu que c'est les réglages de Carsi, et que c'est vraiment, vraiment random de ouf, la perle, concrètement, elle peut se retrouver à Faramazoula, en gros. Et du coup, c'est un souci, parce que tu claques 25 000, donc des niveaux en moins, pour avoir une information d'un truc que tu pourras jamais récupérer, en fait. Vagabond ou héros, quoi qu'il arrive. Ouais, après... Ça dépend le starter. Si genre t'as la Sniffa sur l'astrologue, go Sniffa, quoi. Et là, mon routing est en train de se mettre de plus en plus en place dans ma tête, donc c'est très très cool. Là, je vais faire un changement par rapport à hier, c'est-à-dire que je vais aller à Kaelid, au cimetière de Kaelid dès le départ. Putain, il fait flipper mon personnage. Ok. R6, un saut et un pavois, ok. Goodbye, ouais, goodbye. Non, ils font ça tous les speedrunners, voilà, on va faire comme ça. Ils passent sûrement pas là-dessus. Salut Yann Japon, comment tu vas? Bienvenue. Petit entraînement ce matin, j'ai bien dormi, donc on finit à 13h30 à peu près. Tu vises combien toi aujourd'hui? Bah en fait j'aimerais PB. Moi ce que je vise en fait c'est pas mourir déjà. Parce que je sais que si je meurs pas, je PB. Dans tous les cas, là. Maintenant, je sais que je PB. Parce que j'ai un bon routing, j'ai beaucoup plus de guts par rapport à avant.
Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est ne pas mourir. Voilà. Et même si je fais 25 et même si je fais 26, je m'en fous, j'aurai PB. PB sans mort. Voilà. Tu peux taper, Noé, point d'exclamation, cacup. Pierre 1 x 1. Le jeu commence. Voilà, non. Ce qui est de ouf. Ah, vous voulez une prédit? Attendez, je m'assois comme ça. Je peux vous lancer la prédit. J'ai rajouté 30 plus du coup. Allez, vous avez la demi-heure de setup pour voter. Prédiction du coup. Du coup, salut Noé et salut Yann Japon. J'espère que vous allez bien. Voilà, prédiction. Mais la vraie prédiction, c'est va-t-il mourir, oui, non, hein, en vrai. La vraie prédiction, c'est celle-ci, en soi. Oh, oh putain, yes. Ça, on met direct dès qu'on a la fiole. Dès qu'on a récupéré la fiole, on met ça parce que ça pourra me permettre de tanker si je vais à Lurnia ou si je vais à Kaelid, justement. Vous m'y faites penser dès que je chope la fiole. Fiole, la fiole, la fiole, vous mettez. Je vais essayer de me concentrer comme si j'étais tout seul. Par contre, je comprends pas, j'ai pas les mêmes réglages, c'est-à-dire... Parce qu'au choix du perso, la graine dorée est randomisée chez moi. Parce que t'es sur la version 9, il faut que tu décoches la case du troisième onglet, pour Spanky, où c'est écrit justement... Troisième onglet, il y a écrit je sais plus quoi, randomize, starter je sais pas quoi là. Salut Farmington, comment tu vas? Bienvenue. Bon, moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est les dalles de pierre tombale entre les deux cimetières. C'est ça qui me fait le plus peur. Pierre 5, ok. S'il arrivait à maxer une sombre plus 10, mais ce serait le caviar, là. Ce serait la régalade. On va essayer d'y retourner, mais ça va être compliqué. La pierre de forge 1. Arc runique. Putain, yes. Attendez, il me reste un objet, non? Voilà. Ok, dégraisse magique, c'est top. Bon, je tue pas Bernal. Je ne tue pas Bernal. Parce qu'il est trop fort. Il est vraiment beaucoup trop fort. Bon, j'ai deux pierres 1. Arc runique, 10% de vigueur supplémentaire. Salut du coup Farmington, tu vas bien? Ouais, les pierres de forge sombre 1, elles sont jamais là. Je suis assez d'accord, hein. C'est un truc de fou. Un truc de fou furieux, putain. Je crois que la seule run où j'ai eu des pierres de forge 1 sombre, c'est quand j'étais tout seul et que je jouais hors stream, je m'entraînais hors stream. Salut Dalol. Coucou. Salut Chronos. Coucou. Comment vous allez tout le monde? Pas que m'assois. Eria. Yo France Barry. V4. Incroyable. Merci Eria. Merci beaucoup. C'est incroyable.
Je viens de l'entraînement pile poil pour le stream. Incroyable. Moi, je me suis couché tard à cause du stream de Pearl qui a duré méga tard. Graines dorées, ok, c'est cool. Alors là, du coup, c'est là que mon chemin change. En fait, je vais à Kaelid, d'accord, là. Je débloque ce feu, en fait. Je vais à Kaelid. Je vais au cimetière qui est juste à côté de la petite cabane. Je débloque le feu de la cabane. Ensuite, je me re-TP ici et je vais aussi aux deux cimetières en bas. Voilà le chemin. Voilà le chemin. Et voilà V4. Pile quand il arrive, il est sebé par Ria. Ça va V4? Coucou. Qui c'est qu'on a là? Ah, un mec qui enlève son peignoir. Reparti pour une run, ouais. C'est vraiment très cool comme format. Moi, ça me permet de faire un stream plus tôt. Enfin, plus court, pardon. Ouais, ben salut, en fait. Salut, Heroi. Salut, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Salut. Salut. Ça va, Heroi? Ben, j'ai perdu contre Maliketa, ma dernière partie. Ok, c'est poupou, c'est pas top hein, en Odessa. Dans le sens où je suis pas très chaud d'aller m'enfoncer un katana dans le bide. Mais bon, pourquoi pas. Ça va, merci Heroi, ça va, ça va. Je suis en train de faire un nouveau parcours là. Là, c'est la première fois que je fais ce parcours là, vous voyez. Hop, donc là. Je récupère ça. Oh putain, le truc de merde. Salut The Frog. Et donc là, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ce feu qui va me permettre d'aller tabasser des boss rapidement après. Et là, du coup, par contre, faut faire archi gaffe. Mais je prends peut-être celui-là, là. Ouais, c'est du one-shot, là. Bon, des fois, si ça se passe bien à ce cimetière, on pourra potentiellement... attendez, on va lui dire non. Elle veut nous amener à la table de la grâce, on va lui dire non. B fermé. Et donc, moi, je me re-TP ici, d'accord? Et on va aller faire les deux cimetières. Salut Axel, comment ça va? Salut Simon. Bonjour, je t'ai pas dit bonjour. Ok. Combien de temps il s'est passé actuellement? Je suis pas mal en pierre de forge classique, par contre. Oh. Spawn à l'arc. Jambière, ok. Bon, niveau armure, je suis pas mal, par contre. Oh, du givre. Yes, on met ça sur l'épée direct, d'accord. Et le bâton de l'usat. Merde, j'en ai oublié un. Maîtrise des boss fights et la route. Ce sont les points sur lesquels tu dois focus. Rien à foutre des morts. Oui! La run est lancée! La run est lancée! Salut, putain, Kalia! Bon, je sais qu'il faut pas que j'aille sur celle qui est plus haute. Salut, putain! Je suis très heureux parce que j'ai eu une cendre de guerre qui fait du frost. Salut, putain! Merci pour la bénédiction. Salut, Camille, aussi. Bienvenue. Ok. Ok, nickel. J'ai pas vu si j'avais eu beaucoup de petites runes dorées, là. Là, par contre, vous voyez, là, ben, en fait, on peut sauter direct sur celle-ci. Et ça, il faudra que je m'entraîne. Là, du coup, je perds vachement de temps, là, l'air de rien, à faire ça.
Allez, zoom. Inventaire, on va voir les runes. Oh putain, j'ai eu que dalle en runes. J'ai vraiment eu que dalle. Vous me faites penser à mettre l'alarme dans la fiole de salut miraculeux. Personne n'a écrit « Oublie pas l'alarme ! Oublie pas l'alarme !» Ah là là. Tu restes en zoom, ok Camille. Oublie pas l'alarme. Merci Kaïa, merci beaucoup. Là, ce que j'aurais dû faire, c'est à Kaelid, en gros, j'aurais dû... Attendez, là, il y a le petit lac, je crois. Je sais pas où il est. Il est dans la forêt. À Kaelid, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'était m'asseoir au feu. Ah non, j'avais pas la fiole. Ouais. J'avais pas la fiole. Merci, Lord. Salut, c'est la Kings. Bien le bonjour. Bien le bonjour à tous. Bien bonjour à ceux qui lurquent. Bien bonjour à tout le monde. C'est une run de fou. Mais là, je sais pas, ils trouvent des objets dans ce lac. D'accord. Oula. Ok. Je mets ma larme. Là, du coup, je suis perdu. Ok. J'ai un cap. J'ai un objet. Oui, j'ai précommandé l'édition collector du DLC, ainsi que le casque du DLC. Et comme j'expliquais, je vais essayer de réaliser avec vous en stream un cosplay de Mesmer. Ah, elle a l'air bien cette épée là. Cosplay de Mesmer pour aller à la Paris Games Week habillé en Mesmer en 2024. Ouais, je vais manger du riz sans les graines de riz. Je vais manger du... Attendez, j'essaye de remonter mon chat, j'y arrive pas. Je vais manger des nouilles sans nouilles. Pas de pierre une, ok. Attendez, je remonte mon chat parce que c'est horrible. Voilà, n'hésitez pas à voter pour la prédit. Ça sert un peu à rien. Bon, par contre, il y a des boulettes anti-poison, je vais les prendre direct. J'en prends deux, allez. Voilà, c'est les caps. Hein. Vu qu'il fait nuit, c'est trop chiant en fait. Là, j'y vois rien. Faut pas que ce soit la nuit. Et ouais, j'ai vu qu'il était quand même pas... tu sais, il était pas très très gros, Mesmer. Donc en gros, je me suis dit, vas-y. Ils ont fait Malenia. Donc beaucoup ont pu faire des cosplays Malenia. Moi, je vais essayer de faire le déguisement de Mesmer. Enfin, genre à la perfection. J'ai trop envie d'essayer de le faire à la perfection. Allez, c'est parti pour se faire dégommer par un mec qui fait des roulades avec du saignement. Des pierres 2x3. Putain, il me manque qu'une seule pierre 1. Pierre 4, ok. x1. Et des petites runes, ok. Allez, zou. Bah, je vais essayer de faire son arme, ouais. J'ai eu des idées pour faire l'arme. Des tuyaux de gouttière. Oh non! Oh, la perte sèche. Des gouttières. L'arme de Mesmer faite en gouttière. Non mais en vrai je vais trop essayer. J'ai trop envie de faire un truc avec du bricolage quoi, avec mes mains. Et du coup ça va m'occuper un bon moment je pense. Et avec vous ça peut être cool en plus. Genre avec des plans caméra différents. Si un tailleur avec des chaussettes orange fluo. Pierre 5, ok. Tac. On changera d'armure bientôt. On va se déséquiper surtout de ceci. Oula. Oh, un spectre royal. Ouais, je pense que de temps en temps, je ferai le bricolage en live, ouais. Cosplay de Mesmerde. Alors moi, je pense que je vais pas passer par là-haut, là. Je pense que je vais plutôt passer par en bas, comme ça je récupère ce qu'il y a sur le pont. Inventaire des pierres. 1, 2, c'est bon. Il manque des 3 et 2, 4. Il manque une
3-3 et 2-4. C'est un casque de Dex que j'ai eu là? Non, je crois pas. Je crois que le casque de Dex, c'est celui qui fait un peu plus samouraï. Faut checker, mais... Elle a l'air cool cette épée là. C'est quoi comme épée? C'est l'épée bâtarde, je la connais pas du tout. Ce qui est génial, c'est que ça m'apprend à faire des nouveaux builds aussi. Allez hop! Oui! Eh ben dis donc! Pierre de forge des dragons anciens, incroyable! Il manque juste une quoi. On est vraiment. C'est toujours la dèche de pierre une en fait. Toujours. Là, on peut récupérer ça en poney. Au rituel, on a un peu rien à foutre. Ok. Ouais, ça m'apprend à utiliser d'autres armes, ouais. Allez, pierre 6. Petit géant de feu, là. En KLM. Il fait tellement peur mon personnage, c'est abusé. Augmente la dex. Pierre 2, j'en ai 3 déjà. Ça c'est une pierre 5. Ok. Ouais, il m'a aggro. Olé. Salut Thomas. Salut Fonzi. Parce que c'était une bonne décision, non? On en parle? Vous voulez en parler avec moi? Ouais, ça va bien ce matin. Pour l'instant, je suis pas mort. Donc ça va. Allez, un souvenir, là. Allez. On peut passer là ou pas? Ok, zou. Alors Spanky, c'était le géant de feu qui m'a aggro à côté du marchand. Il y a la colonne d'air à côté de la tour. Là où on récupère le, normalement le bouclier de la tortue. Voilà. C'est quoi ça? C'est un lancer-axe ou c'est classique quelque part? C'est pas la nuit là. Attends, non, c'est Placy qui est quelque part. Oh putain, il y a Placy qui est... Et genre là-haut. Oh putain. Il y a Placy qui est quelque part. Soit il est dans une caverne, soit il est à ciel ouvert comme ça là. Il est là-bas peut-être? Non, il est pas là-bas. Ouais, il y a Placy du Fiac. Salut Bisola. Bienvenue, bienvenue. Pour l'instant, zéro boss, mais ça setup fort. Par contre, mon arme, si j'arrive pas à la passer en plus 3, au secours. Hein. R7. On le voit ou pas, là? Non, il est pas là-bas, hein. Ouais, Placy du Fiac, on l'appelle. Petit Placy, là. Mmh. Petit copain Placy. Mon pas trop beau. Mon pas trop beau. Allez. Petit géant, ok. Oh, il m'a vu, bien sûr. Merci. Faut que je le bosse, ça. Je sais pas comment ça marche en vrai. Ah putain!
Non, il y a Placy. Il y a Placy quelque part. Waouh. Ça va que c'est Nécrolimbe. Il te domine. Ah oui, là, il me domine fort. C'est parce qu'on l'a appelé Placy du Fiac, je pense. Peut-être pour ça. Putain, mais ça, mais... Mais putain, il devrait y avoir une case à cocher. Supprimer le nécessaire de couture. À chaque fois, je l'ai, quoi. À chaque fois, le nécessaire de couture, je l'ai. C'est pour aller fabriquer mon cosplay Mesmer, c'est ça? Putain, de ses grands morts. De ses morts. Le feu sert à rien. Et le Dahu qui renouvelle pour son 19e. Incroyable, le Dahu du Talu, merci beaucoup. Encore du Frost, je sais pas lequel est le mieux. Je sais pas lequel est le mieux, mais en tout cas c'est très cool qu'il y ait du Frost de partout. Et le chômeur qui est là. Bienvenue le chômeur, je me mets le timer sous les yeux. Il s'est passé 26 minutes. Mais putain, mais je suis devenu rapide. Dis donc. Je suis devenu rapide de la Golurnia. De la merde. Je sais pas si c'est bien ça. Les cestes, ok, bof. Je vais pas utiliser ça, c'est mort. Bouclier en fer, tête d'azur, ok. Et là, je suis aggro, donc ça m'énerve. En taille du vide, c'est cool. Pourquoi? Ça fait quoi? Mais pas en boss rush, d'accord. Oh, j'avais pas vu, t'es encore en cosplay Donatello sur cette run. Oui, mais c'est une run, c'est la Kiss. Vous pouvez taper, point d'exclamation, Carsi Cup, pour savoir ce que je suis en train de foutre. Par contre, on n'oublie pas qu'il y a Placy là-bas, à la péninsule. Setup à fond. Merci Yaiko Beast. Alors les quit outs sont pas autorisés par contre. Hein. J'ai mis ça, mais en fait c'est faux. C'est les quit outs quand il y a un bug qui sont autorisés. Genre un sol mou qui n'existe pas. Ouh, les pierres 5 là. Ouh, les belles pierres 5. Oh, le scam! Salut Liandrin, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Bon là, on a fait 27 minutes. Donc en gros, en une demi-heure, on est à Lurnia. Mais réjouissez-vous, le chat. Vous savez pourquoi? Parce que si je meurs dans ma All Bosses 165 boss, grâce à ce défi Carsi Cup, j'ai un setup où en une heure, je peux partir tabasser des boss. Donc en soi... Le starter, on est sauvé pour les futurs streams. Faut que je continue ma run avec vous d'ailleurs, hein, pour avec la Moon Veil, la Moon Light, pardon. C'est chaud là. Salut Sneaky, comment tu vas? Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Fini les setups de 8 heures, c'est ça, c'est vrai. Salut Cyborg, comment tu vas? Bienvenue Cyborg. Oh, ah ça, ça fait plaisir. T'as la larme de vie qui est là, ça fait deux fois par contre, c'est trop rigolo. Allez, hop, trop content qu'il y ait une méduse à côté. J'avais pas vu l'ours, malheureusement. Ça va, merci. La pierre 2. Allez, il manque plus qu'une sombre 1 et on pourra peut-être avoir une arme sombre.
Ce serait peut-être la première run avec une arme sombre. Si j'avais une arme sombre, je prendrais quoi? Je prendrais ça, je pense. Ou l'épée de Trina. Je sais pas si c'est bien l'épée de Trina maxée. Au moins, ça fait dormir les ennemis. Là, au secours. La portée du type. C'est surtout ça qui me terrorisait. Nous avons actuellement un PV. Ça va. On va s'asseoir fort. On va s'asseoir très 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 fort. Comme jamais on s'est assis en tailleur. Et salut à Bijugo. Bienvenue. Merci pour le follow. Abonne-toi. Ouah. Je l'avais l'alarme, mais je l'ai consommé quand je me suis fait taper par la même. Donc je l'avais déjà consommé en fait. Ok, pas de pierre une. Fuck. Fuck. Ah ouais, c'était chaud de ouf là. Tu me découvres là ce matin, Bijugo. Bienvenue à toi. Là, je me souviens jamais le sens. Bon, j'ai mis à peu près. C'est un peu plus là. Ah, c'est par là. Oh, c'était chaud de ouf là. Sauf toi, tant qu'il est temps. Le problème des vies à Lurnia, c'est que j'en ai pas, là. Et c'est pour ça que je suis mort la fois dernière, quand j'ai pris la boule électrique, là. C'est parce que, justement, j'avais pas de vie. Allez, pierre 1, c'est très très, très chiant. Hein. Putain, j'ai tous les manuels du jeu, quoi. Pierre 4, ok. Bon, ça, c'est cool. Il manque juste une pierre une, quoi. Horrible. Il y a un archer. Le feu, je sais jamais où il est, là. Ah, il est là. Ok, j'ai ma bulle encore. Let's go. Let's go se battre fort. Toi, tu montes la vigueur avant, mais moi j'aurais dû. Moi j'aurais dû. Là, c'est du grid pur. Bon, des clés lames de pierre, ça c'est bien. Salut, c'est MWash. Comment ça va? Bienvenue. La branche sacrificielle, quoi. J'en ai tellement rien à foutre. Incroyable. Ça va bien, c'est moi, chouette. Je suis en train de setup pour ma partie. Bon, après, il nous reste encore IJ, un marchand et la table de la grâce où je suis pas encore allé. Donc, en soi, il y a moyen d'avoir la pierre une. On la voit par la fenêtre, la téléportation, l'attaque. Je pense que je vais jouer l'épée de bâtarde, hein, si je peux. Ça a l'air très très fort. Hein. Surtout si je la fous en givre. J'ai testé, mais pas doué pour ce jeu. Ah, tu peux taper point d'exclamation guide. J'ai fait des guides pour les débutants, si tu veux, Bijugo. Je te conseille le guide magie. C'est le plus, on va dire, c'est le plus... Le plus pour les débutants, on va dire. Olé. Donc attends, heureusement j'ai la bulle.
Il va encore me sniper. La run! C'est la run! Salut Genshin. Bienvenue, bienvenue. Ça y est! It was the last! Prends ça, je vais m'asseoir quand même, je préfère reset la zone, là j'y pep. Je préfère m'asseoir, hein. Ça fait perdre quelques secondes, mais je préfère m'asseoir. Ok, bon, j'ai de quoi améliorer grandement mon arme. Le souci étant que j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de runes, et j'ai l'impression que là, je devrais aller faire Greyol. Je sais pas ce que vous en pensez, putain, un assassin, s'il m'aggro. C'est bon, j'ai des runes. J'ai 20 000, je crois, non? Avec ça. Je vais garder le souvenir pour améliorer mon arme. Vous m'assurez, Go Dragon Zombie. Ouais, mais t'imagines la perte de temps? Je vais faire peut-être les... Enfin, qu'est-ce que j'ai comme pierre? 1, 2... Il manque des 3. Ouais, j'ai pas de pierre 3, c'est le problème. Le problème, c'est que j'ai pas de pierre 3. Bon, ça, c'est le central, ça. Comme feu, faut le prendre. Rien, Jeff. J'ai juste eu des pierres 1. Là, apparemment, il y a un cimetière ici. J'y suis jamais allé. Première fois de ma vie que je l'y vais, là. Ah, il y a un cimetière énorme. C'est pas que sur la map de Pearl. Ah, mais putain, mais... Le setup, quoi. Ok. Ah ouais, mais il est énorme celui-là. Il y a du muguet quoi. Non mais il est ouf ce cimetière. Il y a juste pas de pierre quoi. Ouais, super. C'est qui? C'était lequel? Osef, oui. Osef, ça compte moins un. C'était qui? C'est qui faisait de la magie? C'était lequel? Sandek? Non, Simon. Non, non. Je suis en training, donc non. Ça compte moins un boss, en gros. Sinon, tu fais jamais le setup, quoi. Non, mais c'était un magicien genre qui? Il y a qui fait cette attaque, en vrai? Je suis dégoûté, quoi. Casse les couilles. Hein. Casse les couilles. Putain. Allez, pierre 3, ok. Non, mais ça fait chier, parce que du coup, la run, elle est invalide. Salut, Shaki. Comment ça va, Shaki Chakri? Salut, Juju. T'as la mort conne. Mais on le sait maintenant, en fait. Putain, mais il faut que je level up avant d'aller à Lurnia pour tanker les dégâts, bordel. Débile. Salut Pepsi. Ah putain, j'avais juste ça à faire quoi. Ah, GG Shaki. Bravo. T'as fait tous les boss? Est-ce que tu as fait Malenia Shaki?
Bon, vas-y, je me casse, c'est bon. T'as fait Malenia, ok. Ah oh ben en fait, ce qui s'est passé, Juju, j'étais en train de looter dans un cimetière. J'avais tout looté, je suis parti, genre j'étais au milieu du lac. J'étais très très loin. Et je me suis pris je sais pas combien de coups de magie d'un connard de mage. Et vu que j'avais une petite barre de vie, ben, je me suis fait éclater. Il y a un chevalier du creuset là. Ah mais l'Elden Beast elle est infernale. Elle est infernale l'Elden Beast pour le coup. Allez, il me faut des pierres 3. Oh vas-y. T'as bien fait de prendre ça. Il me resterait 18 minutes là, putain, je suis deg. En plus j'ai perdu du temps sur la mort et tout. Vas-y, chier. Je suis grave deg là. Je le saurai, Lurnia, que si t'as un peu de vie. Il faut augmenter la barre de vie, c'est pas possible. What? Eh ben, rentable ça par contre. Ah, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Pas être deg. Hein. Un magazine de l'XP, c'est vrai. De le voir comme ça, dans du comme du gaming, du vrai. Ah t'es, la récup d'endu, je prends. Hop. Bon bah écoutez, du coup on a fait Lurnia. J'ai le temps d'aller faire Greyol hein, avec ce setup en vrai. J'ai pas trop amélioré mon arme, mais bon écoutez. Est-ce qu'à votre avis, il vaut mieux l'âme de froid ou le truc qu'on lance? Je sais pas du tout. Épée bâtarde de glace, brume de givre. Ah ça c'est une brume ça. Je vais voir ce que ça fait ça. C'est fort. Ah oui, ça met mon arme en glace après. Eh c'est pas mal hein. T'as des pierres 2, ok. Du coup, je suis pas allé à la table de la grâce encore. Putain je suis débile. On va aller voir ce qu'il y a à la table de la grâce. Ça se trouve il y a des pierres 3. Ouais, je sais, mais parce que j'ai pas pris le temps de le faire, en fait, je suis débile, Lord. Mais ça m'est arrivé deux fois. Hein. Hier, ça m'est arrivé aussi, hein, quand je suis mort avec la boule électrique au setup à Lurnia, au même endroit. Même endroit, quasiment. Donc, eh ben, il faut que j'arrête d'insister, en fait, c'est tout. C'est un cosplay Corinne, là, qu'il a fait, Skullman. Pierre 3. Nickel, putain. Ah putain, ça fait rager, c'était une putain de bonne run. Et là, il y a ça. La puissance des attaques successives. Ok. Et bah...
3000, elle vaut la graine dorée, là. On va aller améliorer l'arme, du coup. C'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement, c'est vrai. Mais du coup, vous avez vu, je peux foutre mon épée en plus 9, là. Déjà. Salut, vitalisation. Non, j'ai pas fait Timésia. Il me faut une pierre 4. Salut Made in Gora, bienvenue. Et you par ici, nouvelle run ou training car-ci? Training car-ci. Training car-ci, ouais. J'ai ma réponse, il y a le timer. Pour une fois que quelqu'un regarde l'écran. Merci, Made in Gora. Je peux pas le faire. Je crois que j'ai pas les stats pour le faire. Vu que je peux pas la porter, l'arme, en fait, je peux pas faire ça. Bizarre. Vous voyez, il le relâche direct. On a fini un jour bientôt, ça? Wow. Je préfère faire ça plutôt qu'aller faire Greyol. C'est moins long et ça me fera des âmes supplémentaires. Merci pour le lurk, bref. Bon, du coup, demain matin, je pense que je ferai une run, ma run classique. Ok, donc là, si je veux commencer à aller taper du boss... le mieux, c'est les boss aériens, là. Donc on va aller faire ça la nuit. Quoique non, hein, dans l'ordre, je crois que c'est mieux d'aller... c'est mieux d'aller là, en fait. Ah putain, il y a le marchand à côté de la plage. Eh bien, on fait ce boss, et après on va voir le marchand. Randomise, starting... Attends, j'ai pas compris. 10 secondes. Oui, c'est ça. Keepsake, c'est le leg. C'est ça. Voilà, c'est ça qu'il fallait que j'aie comme barre de vie, putain. Eh, salut Snake, comment tu vas? Bonjour à toi, Snake. Salut Gandalfoudé, coucou. Bon, on va discuter un peu avant que j'aille au boss. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Moi, ce week-end, je vais aller me faire un ramen, ok, ce soir. Et puis, je ferai aussi Monday Rare, donc ça, objet violet, je laisse. Je vais sans doute aller au cinéma aussi. Voilà. Voilà mon week-end. Et puis, je vais streamer, du coup. J'ai pas mis le truc dans la fiole, mais bon. Ah, cool, il est tout seul. Ah oui, ça fait de la glace et en plus ça l'attaque en même temps. Ah, tu vas voir Dali. J'ai trop envie d'aller le voir, moi, Dali. Il a l'air trop cool. Mais ça, sinon j'oublie. Bon, ben... Ah, tu pars en vacances à Nice, trop bien. J'ai de la famille, moi, pas loin. C'est pas Cannes, c'est Cagnes.
à Cagnes-sur-Mer. Un peu de gaming et chez la famille pour toi. Ok. Du gaming. Vous jouez à quoi en ce moment là tous? Vous êtes sur du Elden Ring aussi ou vous jouez à d'autres jeux? Parce qu'en vrai, moi je joue qu'à Elden là depuis quelques mois. Mais j'avoue, ouais. Et. Ah, t'es. Là, je prends direct, j'en ai rien à foutre. Hein. On va foutre ça dans la fiole. Peppa Pig, tu devrais tester. Putain, mais je suis trop chaud. Elden et Helldiver 2. Et j'ai vu qu'ils avaient rehaussé le nombre de personnes qui pouvaient jouer en simultané, là. Ils ont augmenté la capacité des serveurs pour Helldiver 2. Il a l'air trop bien, Helldiver. Pour Timizia actuellement, et après Remnant 2. Putain, Remnant 2 aussi, faut que je le fasse. Allez, je mets le truc dans ma fiole, ce sera fait. Lord of the Fallen. Ah, oui, c'est vrai, t'as fait la fin. Du coup, tu t'es lancé dans le truc Umbral. Ok. Excellent. Salut Mathéo. Ah, tu prépares une run DLC. Moi, je vais repréparer une run DLC parce que celle que j'ai faite me va pas. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une run DLC All Bosses. D'accord? Mais genre en vanilla, du coup, en classique. Ça sert à rien la brume de givre, non? Ou c'est moi? Ah oui, il fait cette attaque, lui, d'accord. Alors. Ah, le tank. Je suis enfin à 5000 rips. C'était des pierres 2. Bon, on va aller faire tout ça, la clique des connards de la nuit. On va aller faire tous les trucs de nuit, là. Final Fantasy 12. Putain, moi, Final Fantasy, j'ai fait que le 16 et j'ai pas aimé. Je suis désolé, hein. Mais je sais que ça résume pas tous les autres FF, attention, hein. Je sais que les autres c'est des chefs-d'œuvre. Hein. Mais le 16, si j'ai aimé le 16, mais putain, qu'est-ce que ça fait l'ascenseur émotionnel? Genre, truc de fou, truc trop nul, truc de fou, truc trop nul, truc de fou, truc trop nul. Donc, trop d'ascenseur pour moi. Allez, on dort la nuit. Et on se met la nuit. Reste 1h37. On va monter. L'enduit un petit peu là. Et je mets deux boss du coup. Bon, c'est invalide, hein, je suis mort au setup. Ça fait chier. Hein. Chier, putain. J'ai pas dormi. Bon, du coup, je trigger le. Ah, oh, putain, c'est un lancé-axe. Je trigger le combat du dragon. Je vais dans la grotte. Attendez, je trigger le truc. Ah, c'est bon. Je vais dans la grotte. Ah, c'est même combat, quoi, en fait. Alors, moi, j'ai pas fait Spider-Man 2, non. Salut, putain! Salut, putain! Varenox! Bah moi je vous conseille de pas... Enfin en gros si vous avez une run qui est finie mais que vous voulez la garder pour le DLC, je vous conseille de pas aller en New Game Plus. Voilà. Le DLC c'est mieux de le faire en New Game classique. Parce qu'en New Game Plus vous allez rouler sur le jeu et potentiellement vous allez rouler sur le DLC ou vous faire rouler dessus par le New Game Plus 1 du DLC du coup. Pourquoi je trigger le dragon? Parce qu'en fait quand je vais revenir il n'y aura pas les ennemis qui sont autour du dragon. Aker, bienvenue. Et bonjour. Bonjour avant tout. Bonjour la vie.
Bonjour. Chaque fois, lui, il est là, lui, hein. Chaque fois. Deux heures sur Mesmer, moi, je vais passer 10 jours. Ouais, putain, j'ai que de la merde. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu es où là? Trois. Il reste 1h34. Non mais c'est bon en fait. Il a raison Pearl. Il a raison, tout le monde sera à 50. Non mais dors! Plus vite, dors plus vite! Point d'indu. Moi je suis niveau 404 New Game Plus 2. Avec ce que tu dis, j'ai peur. Bah tu vas rouler sur le DLC. Hein. Attends. Tout ce qui n'est pas de la magie. Tout ce qui n'est pas du physique. Donc ça, ça me protège un peu du. De la foudre. Je vais y aller. Je vais y aller, mais je suis pas chaud du tout. Je sais pas s'il craint le givre, Jean-Mich. Mais j'y vais. De toute façon, il va gueuler normalement au départ. Oh, vas-y. Alors, on prend plus 10% de dégâts quand on est dans l'eau et qu'il y a de la foudre. Je vous le dis quand même. Comme ça, je suis invincible. Putain, il fait des gros dégâts. Meurt en fait. Oh, le combat. Je suis allé comme un bourré. Je suis allé comme un gros bœuf. T'as vu ça un peu? La frappe sur la queue du dragon. Je suis allé comme un bourrin. C'est quoi là? Ça a l'air énorme. Oh non, c'est un soldat draconique. Il doit pas craindre le frostbite lui. Ok Juju, bon apéro à toi. Salut mec, salut Panda Falgan, bienvenue. Encore un mage.
est allé tuer tes potes à couteau. Y a de la baston. On est là. On est là pour se battre. Se donner. Alors attends. Je lis ton... Ah t'as de la magie. Il y aura un niveau de level up spécifique au DLC de toute façon. Donc notre niveau dans le jeu de base n'aurait pas peu d'importance. C'est-à-dire... T'es à part ? Yann Japo ? Salut TT BDB. Les nouveaux joueurs et les casieux galéreront peut-être sur Mesmer. Les autres le feront avec un build ultra pété et 2 ans d'expérience sur le jeu Ribo. Ouais, je sais pas. Après, c'est pas pour ça qu'il sera facile. J'ai 35 000 âmes. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que je gagne un taquet d'âmes dans ces parties. Est-ce que c'est parce que je tue des boss ou est-ce que c'est parce que c'est des gros boss? J'ai l'impression que dans mes runs all bosses, mais c'est parce qu'en fait, dans mes runs all bosses, je tue pas de boss. J'y suis à tâtons, là. J'énerve les gens à pas tuer des boss, en fait. Ouais, moi, Malenia, elle me trouve le fiac. Encore aussi, hein, pardon. Ouais, c'était pas le casque, tu vois, qui donnait... Et moi, je veux plus la robe. C'est mort. Ouais, je suis obligé. Moi, Malenia, elle me fait encore de la violence extrême à l'intérieur de mon corps. Hein. Je le dis. Malenia, elle est forte. Hein. Même si je la connais bien. Je connais bien mieux Malenia, par exemple, que Malikette. Vous voyez ? Malikette, moi, si je le croise, il me pète la gueule, en fait. À mon avis, les connaissants, il n'y aura pas de remise à niveau. Hein, je le dis. Il manque des pierres 4, c'est ça, non ? Cette nuit, tu vas pouvoir m'en vendre. Il est habillé en Rennala, il est en cosplay Rennala, vous avez vu? Bah du coup, 6. Putain, j'oublie de changer le compteur à chaque fois. Salut Muret. Comment tu vas Muret? Elle est bien cette arme. Je le dis mais elle est très très cool. Pourrais-tu le laisser vivant parce qu'il devient un marchand? Mais je sais. Mais je suis en training Carsi Cup. Donc je le tue. Je le tue, Muret. Non mais le no-hit sur Malenia, pour moi, c'est infaisable, je vous le dis. Salut, monsieur Julius. Le... Oh putain, le R!
Vistaros. Voilà. Ah oui, lui par contre, il est trop énervé. Salut Brigitte Macron, t'es. T'es là, Brigitte. Attends. J'ai vu ce que j'ai vu là ? Il tire à travers le brouillard ? Non mais c'est quoi ce mec ? Bonjour tout le monde ! Il m'a fait stresser, je pensais que j'avais fait quelque chose de grave. Mais non, Murray ! C'est juste que je m'entraîne pour la Carsi Cup, du coup je suis obligé de le tuer, ça compte un boss en fait. Si je le tue pas, je sais que c'est un marchand, mais après regarde. D'ailleurs je vais y aller. Et il me file sa perle, donc dans tous les cas, je peux aller voir ce qu'il vendait. En tout cas, à ce stade-là du jeu, c'est sûr que pour le manoir du volcan, si vous êtes en jeu classique et que vous tuez Pat ici, c'est impossible d'avoir le nouveau stock de Pat au manoir du volcan. Il vous faudra forcément passer en New Game Plus 1. Malheureusement. Ouf. Tu vois que j'ai bien fait de le tuer, ça coche à talisman. Et attendez, il y avait un vendeur 3. Et ça. Et oui, je lui ai acheté ça. Il y a des crevettes aussi, mais j'ai pas le temps de me buffer. Donc en soi, j'en ai rien à taper des crevettes. Et là, il y avait un gourdin, une morte couille. Et ça, c'est quoi ? Attaque successive. Non. Non. 200 IQ. C'est quoi qui vend des pattes ? La sacoche à talisman à 5000, attendez. Il doit bien avoir une rune sur moi, non ? Salut Taras Boulda, salut à SubD. Bienvenue. C'est bon, j'ai les 5000. Donc là, c'est le 2. Pattes, hop, sacoche à talisman. Ok, c'est good. Donc là, du coup, voyons voir ce qu'on a fait. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. Ça va vite. Hein. On va aller faire la galerie de... On va aller faire Célène, pardon. Et on va aller faire la geôle juste après. À votre avis, je mets quoi ? Au final, des enchaînements d'attaque, c'est pas con. Merci le chat. Ouais, Pat, c'est le vrai mastermind des Souls. Pat, pour ceux qui ont pas fait les autres jeux, il faut savoir que Pat, il est dans tous les Souls. Et il faut savoir aussi que l'épée de la lune noire, donc l'épée de Rani la sorcière, elle est aussi dans tous les Souls. La Moonlight. Voilà. Elle est même dans Bloodborne. La Moonlight. Oula, il y en a deux là qui explosent. Je crois que j'ai pas mis la fiole qui me fait remonter l'endu plus vite avec le... Allez, vas-y, on va l'éclater. Putain, elle est forte celle-là. En charge lourde. Je suis en charge lourde. Donc j'ai fait ce combat en charge lourde, ok. Va bien. Le meilleur des mondes. Allez là. Bon, je m'assois du coup. C'est chiant le... Je peux pas monter de niveau, super. Donc je vais être obligé d'enlever mon talisman. Je pense que je vais jouer comme ça en fait. Ça vous dérange la liste là ? Comme ça je vois ce que j'ai fait. C'est la liste des boss. Je crois que si vous zoomez, vous pouvez voir aussi la liste. Je suis à 8. Écoute, t'inquiète. Sers-toi de tous les outils. Yo Makai, comment il va, Blue Slide ? On est d'accord qu'elle est forte, cette épée ? I need some endurance, beaucoup.
Ça va, Blue Tide, merci. Ah putain, avec la liste, en fait, c'est trop bien. Mais attends, mets ton truc dans ta putain de fiole. Voilà. Mets-le là. Prends le temps de le faire. Laver. Ouais, j'ai géré, mais je suis mort à la fin, je suis deg. Frostbeat. J'étais bien parti sur Anoït, moi. Dommage, ouais, le dernier coup, je l'ai pris. Prochain rando, tu fais au même rythme. Peut-être un peu moins, mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Franchement, en tout cas, le setup, il durera une heure. Hein. C'est ça qui est top. Hein. Pour vous, c'est top, en fait, que j'apprenne ça. Salut, beau gosse. Salut, Chico. Comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Ça roule, ouais. Alors, je suis mort au setup, donc je suis dégoûté. Je suis mort avant même d'avoir fait des boss et tout. Je suis mort à Lurnia, juste parce que j'ai pas pris le temps d'augmenter ma barre de vie alors que j'avais ce qu'il fallait pour le faire. Du coup, je suis un peu deg. Mais sinon, ça se passe bien, ouais. Ça se passe très bien, même. Là, pour l'instant, je suis à 10 boss. Et je suis pas mort sur les boss, quoi, on va dire. Là, faut faire gaffe, du coup. J'aurais dû descendre, en fait. Il est où, le chariot, là? En fait, il est pas là, le chariot. Il descend pas. Et toi, tu t'en sors, Chico? Oh, putain. B34, ok. Je pense que t'avais large le temps de le faire d'une traite. Ouais, je pense aussi. 40 est prenable. Je l'ai fait hier, 40. Mais je suis mort à la fin. Je suis mort sur Maliketh. J'ai eu Maliketh dans un Kajibi à Kaelin. Il m'a dégommé la gueule. Il m'a dégommé. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Je pense que j'ai bien fait de backup là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que j'ai bien fait de me casser. Hein. Passe de verre là, c'est quand même. C'est une mort. Instantanée possible quoi, la potion ne sert à rien. Je t'ai pas dit bonjour, je crois, Matabuena. Bonjour, Matabuena. Là, j'ai changé ma méthode de training. Je fais que des runs de 1 heure max pour faire le setup, trouver une bonne route, prendre les grâces, etc. Moi, pareil, max 1 heure. Et bien là, du coup, ça fait 2 fois d'affilée où je peux commencer à 45 minutes plutôt qu'une heure. Donc ça, c'est très très cool. Salut le VR. Oh non, avec la malmort, ciao. J'ai pas vu le boss, donc je sais pas ce que c'est. Ok, ouais, froid contre froid, fraîcheur contre fraîcheur.
Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis très heureux. Qui sera le plus frais? C'est moi! Que je sois le plus frais! Non, quand même ça, non? Ouais, cool, je peux faire caca sur des yaourts. Vous êtes pas trop content pour moi? Grâce à ça, je peux faire des cacas sur des yaourts. Ok, donc il me reste R2-Tree, Burial Watchdog, donc c'est la catacombe. Gardien Golem, où ça j'irai pas. Black Knife Assassin, je sais pas où c'est. Je vais aller là, à la geôle ici. Par contre, la version 0.9 du randomizer, j'ai l'impression qu'elle crache. Ouais, moi je suis d'accord. Elle fait que cracher aussi. Et du coup, en fait, le problème des crashs, c'est que ça va quand ça te quitte le jeu, tu vois, et que ça te remet sur ton bureau Windows. Mais le problème, c'est que moi, je suis obligé de faire un Alt F4, enfin un Ctrl Alt Supr, rentrer dans le gestionnaire des tâches et virer le jeu, en gros, quoi. Et après, le relancer. Donc, en fait, moi, je perds vraiment du temps, pour le coup, sur ça. Combat Airways, ouais. Allez, nous. Allez là. Oui, alors ouais, pareil, ben voilà, j'avais fait. J'ai dû faire un boss supplémentaire là dans ma. Enfin, j'ai dû refaire un boss. Oula. Je cherche pas, je vais chercher le stun là. Ah, j'en ai vu 4, fais chier. Critique ça. Putain. Ah c'est un truc comme ça, mais j'aurais tellement 1000 téléporteurs. Oh. Alors les quit outs sont pas autorisés dans le message qui est affiché. Attendez, du coup le compteur il est resté à 8. À 12. Le colosse, ouais. Putain, le colosse. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça, mais c'est chiant, c'est long. On peut faire les boss de nuit de la cabane du maître de guerre. J'ai pas de pierre 4 encore. Hein. On va aller faire Margit et Ghostock du coup. Voir s'il n'y a pas des pierres 4 à vendre. Il vendait pas des pierres 4, Bernal, t'as d'ailleurs. On va aller lui parler, voir. Name's Bullet Nias. Are you here? Does your despite. Yes, takes me any intro I know. Mais j'ai pas parlé. Ok. Je vais lui laisser ça. Forge 2x3. Oh putain, vas-y. Il faut une pierre, des pierres 4, je crois. Donc là, normalement, il y a un boss là. Ouais, du coup, c'est un chasseur de perles, c'est rigolo. Très rigolo. Vraiment super rigolo.
Je savais qu'il y avait Nolstead. Salut Maxou. Putain, je commence à les gérer eux là. Putain, chaud hein. Chaud. Allez, viens. J'y vois que dalle. Combien de temps il me reste? Non mais vous déconnez, il me reste 1h08 là. Il me reste 1h08 pour me balader. Mais c'est le 15, ouais, c'est le 15 mars la compète. Ouais, les moyens. Enfin, 20 boss, c'est ce que je disais, c'est que. Ma run elle est invalide parce que je suis mort au début, je suis dégoûté. Mais en soi, il faudrait regarder le temps que j'ai perdu à la mort. Faire comme si j'avais recommencé et voir combien j'aurais de boss si j'avais pas perdu. Moins le temps, quoi. Pas clair. C'est pas clair, c'est dur à expliquer, c'est pas clair. Ça va me servir d'hyper armor ça. Je m'éloigne fort. Attendez. Merci Charco Echo pour le follow. Ça s'est si bien passé. Il perd pas de temps là, Ribo, t'as vu ça? Maxou, et merci à Charco, merci pour ton follow, bienvenue. Deux mains de maître, hein. Merci mes couillons qui t'en fait un compliment. C'était mon 15e boss. Donc là, ce qu'il fait, regardez ce qu'il fait, Pearl. Il fait ça. Il parle à Jean-Mich, là. Pour gagner du temps. Tu dis non, j'emprunterai le gate normal. Tu fais ouvrir le gate. Ok. Pendant un instant, tu vas là. Ouais, j'ai un bon rythme. Putain, le scam. Après, tu vas là. Midi 22, joyeux midi 22 à tous. Hop, après tu fais ça. Du coup là, le gate il est ouvert. T'as récupéré les objets. Tu te TP, t'as pas besoin de refaire le tour de merde. Tu récupères ça. Voilà. Hop, et après t'assassines Ghostock. Tu récupères sa perle. Et puis ben, lui il va pas à la table de la grâce, mais moi je vais y aller direct. Voilà. Joyeux midi 23. Joyeux, joyeux. Je vais quand même aller voir s'il n'y a pas des pierres 4, quoi. Parce que quand je vais aller à Lurnia avec mon arme en plus, je sais pas combien, là, ça va faire 0 dégâts. Donc Bernal, ok, il y avait ça. Il y a une bonne armure chez Bernal.
Et dans les pierres 2, go stock, il y a quoi? Il y a des 5, mais j'en ai 3. Il me manque des 4, en fait. Moi, c'est relou. Il n'y en a pas des 4, on est d'accord? Non. Bon, Bernal, on a vu que non. Pat. Il y avait une sacoche à talisman, c'est tout. Non, mais attendez, je suis à go stock, là. Ouais, non. Rien qu'encore. Au moins, j'aurais fait le tour. Hein. Ah, il y avait ça aussi. Et non, du coup, il n'y en a pas. Allez, là. 1h03. C'est mon 5e entraînement, là. C'est pas mal, quand même. J'ai acheté une graine dorée, je pense que je dois pouvoir level up ma fiole. Salut, encore. Salut, putain! Salut, Skeleton, putain! Je suis le shonen, mes couilles en kit. Le shonen originel. Bon, il va, Skeleton. Ça va très bien. Eh bien, alors c'est parfait. Et pierre 4. Pas du tout. Gratte. Allez, voilà. Connard d'oiseau. What? Là, mais ceux-là, mais je les déteste, en fait. Salut Sokam, bienvenue! Le serreux. Assassin? Putain, les champions du FIAC. Ça va être chaud. Ça va être chaud de ouf. Fendre de guerre dès qu'ils arrivent là. Dès qu'on les voit, je crois. Alors là. Y'a plus qu'un. C'est réalisé. Face de cul, du cul. Alors attendez, il me reste qui là? Gardien Golem, non. Black Knife Assassin, non. Ulcerated Tree Spirit. Il est où l'Ulcerated Spirit? Tibia Mariner. La Tibia Mariner, c'est là, là. Ulcerated, il doit être là, non? On va aller faire la grotte de Lushi après. Salut Lino. Salut Caltimbouffe. Salut à vous, salut Campion aussi. Oui, c'est un mec avec son... Il va enlever son débardeur. Allez, vas-y, viens mon gars. Salut Minigarou. Il a des vies lui, hein.
sais que c'est quel but. 17. Salut Arthur. Comment vous allez tout le monde? Il me reste une heure. Hein. Il me reste une heure. Et merci à Naori San pour le follow. Bienvenue à toi Naori. Salut Ribo, est-ce que dans le seul challenge vous vous interdisez les invoques? Oui, c'est obligatoire même d'être interdit. C'est obligatoire d'être interdit, c'est bizarre comme phrase, mais oui, c'est interdit, ouais. C'est interdit par les règles de la Carsi Cup, en gros, les invoques. Après, pour le Nodes, non, c'est pas interdit. On peut invoquer si on veut. Pour le Nodes All Bosses, concrètement, je pourrais invoquer si je voulais. Je pourrais le faire sans invoque. Hein. Mais c'est juste moi, je me suis dit, vas-y, je le fais sans invoque. C'est obligatoirement interdit, c'est marrant comme phrase. Lui va me faire chier de ouf. Et merci à Valek pour le follow. Bienvenue Valek, merci pour ton follow. Je suis content pour toi depuis Red Dead, merci. Cal, ça fait un bail toi que tu me suis, Cal. Hein. Ça fait vraiment un bail. Vous direz, enfin, il y a des vieux de la vieille là. Il me drop quoi? Ça aurait été tellement bien une pierre 4. En le bossé, si, il y en a quelques-uns qui utilisent, mais c'est pas genre à chaque combat, tu vois. C'est genre quand tu sais que tu vas avoir un combat de merde, genre face de verre dans un Kajibi. Tu vois, t'invoques une mimique et puis basta, quoi. Ça passe et puis basta. C'est normal. Salut Noisette. Les mobs à l'arc sont infernaux. Hein. Là, elle est en plus 11, mon arme. Après, j'ai mis du givre aussi. Au secours. Alors là, j'y vais, mais... Là, il fait pas de bruit en plus. Dans la merde là. Je connais pas assez. Je suis mort. Je suis pas mort. Je suis pas mort. OMG, ouais. Je suis pas mort. J'ai eu du pot. Alors je sais un truc. Ah Mog il a la classe, ouais. Ça c'est du backseat. Attendez. J'y retourne. Hein. Vendez pas la perle. Aucune perle à offrir.
Mais Sandek, je confonds la partie ou c'est moi? Mais non. Mais elle y était. Bah alors ok. Tu l'as pas vu dans cette run? Putain, mais alors c'est où que je l'ai vu? Je comprends pas. J'ai le souvenir de l'avoir vu. Ouais, c'est géant de feu là. L'alarme pour Mog. Il me semblait qu'elle y était là. Super. Ça va durer 45 ans, je crois. Je suis mort. C'est vraiment un connard, celui-là. Vas-y, c'est bon. C'est un sac à PV, ça me saoule. Il perd zéro vie. Je suis dans la merde à cause de mes dégâts. Il y a encore la boucle de tout à l'heure. Pas vu. Il m'a pas vu. C'était mieux la run full cavalier. Non mais c'est clair. Hein. C'est vrai qu'il y avait que des cavaliers. Je crois que j'ai fait toutes les sentinelles. J'ai fait 7 cavaliers crépusculaires. Non mais relou quoi. Ah super. Alors ça c'est vraiment le meilleur. Vraiment c'est dehors. Hein. Là, quand tu l'as dans un petit endroit. Au secours. Ah, je me protégeais là. What? J'ai sauté par-dessus. Bon bah 18. Hein. Chat c'est mort, ouais. Celui-là c'est le pire. Parce que concrètement, il peut te... Si tu l'as dans un petit espace, avec les petits potes là qui te font du saignement, en je sais pas, enfin tu peux mourir, mais vraiment très très vite. Hein. En très très peu de temps. Putain, des pierres 3x3 là. Elles étaient là. Il manque des 4 moi.
What? C'est Placy qui est là? C'est un deck. Non. Moi, j'ai pas regardé. Malenia. Une grosse bête. Ok, donc... On va aller juste à côté. La maloche, ouais. On s'en va. Jolie l'esquive, je la connais bien maintenant. C'est juste que je fais pas assez de dégâts. J'y serais allé avec une arme en plus 22, j'y serais allé. Putain là, à cause des boss, je... Mais il est où Placy là? Il est où ce con? Il est là-haut là. J'ai tout le endgame en écrolimbe, c'est l'enfer. Il manque que ma liquette et voilà quoi. Salut c'est Poucal. En vrai la, la seed est bien par contre pour... Mais pour une all bosses quoi, no death, 165 boss. Parce que Malenia, elle est au début. Rujuju. Allez, là, des pierres 4, putain. C'est ça qui m'a buté à l'Urnia. J'en ai pris 16 000. Maliquette dans l'arène, j'annonce. Non, c'est un veilleur d'arbre monde. C'est un arbre. Un arbre, hein? Dis-moi que c'est un arbre, putain. J'ai pas mal vu. Non, c'est un arbre, ça va. Sur le truc de Placy. Il est où Placy, putain? Le problème de Placy, c'est que je l'aurai jamais, en fait. Allez, 19. Il est là, là. À mon avis, il est là. Oh, un dragon magma. Ah, il est là, ok. Il craint le frostbite. Spot de farm. Je déteste. Ouais, vas-y, laisse béton. Comme vous avez dit, j'ai le... J'ai le endgame. Allez, c'est un sac à merde.
What? Je vais mourir dans la catacombe parce qu'il est là. En fait, il est toujours là. Il est toujours là. Ah putain. C'est un fou, putain. Mais il est zinzin, Placy. Faut que je la trace, cette catacombe. Bon, à l'aide. À l'aide, Nécrolimbe. Please. Waouh. Merde. C'était du harcèlement pur. C'était du jus de harcèlement. Ah, une encre rouillée, toi. Celle-là, je la connais bien. Ah, je cherche la pierre 4, là. Ouais, lors de la compète, j'espère que l'acide sera cool. Ouais, c'est fort. C'est fort, ouais. Mais ça demande beaucoup d'endu quand même, l'encre. Les dragons, tu peux te mettre dans ses pattes, hein. Mais... Moi, à cheval, j'aime pas le combat à cheval, j'aime pas du tout. Bon, je vais l'atomiser, hein. J'annonce. Merci à toi d'avoir participé à cette compétition. Salut Tempester. Mais quoi, là? Ah bah, du coup, il est mort. Donc là, on va aller faire la petite geôle et le Death End. Le run killer. Comment ça va, tout le monde? Bon, 20 boss. C'est quoi une seed? Alors, Mikiter, une seed, c'est les numéros, tu sais, qu'il y a à chaque début de randomizer. C'est ce qui détermine où va se trouver tel ou tel objet, où va se trouver tel ou tel boss. Seed, en gros, c'est la façon dont a été randomisé le jeu. Donc il y a plusieurs seeds possibles, une infinité de seeds possibles, donc une infinité de randomizers possibles. Salut, putain! Salut à ceux qui arrivent. Salut, Lalin. Un salut à ceux qui pop. Pas trop loin, fait chier. Je pense que ouais, ça va m'entraîner vraiment fort pour les 165. Après les 165, en soi, ce qui est plus dangereux, c'est plutôt les chemins, tu vois. C'est plutôt les différents chemins. La lame de feu sanguin, là, par contre, j'ai envie d'enlever le... J'aurais pu enlever le frostbite pour mettre ça dessus. Les trous, voilà. Les trous. Bon, oh, allez, le cheval, là. Les trous, les chutes, ouais. 21. Il y a beaucoup de boss que je peux pas faire ici quand même. Bah du coup on va se casser à l'Urnia, mais j'ai pas de pierre 4, hein, ça casse les bombes. Bénissez la run là. Je vais essayer de ramasser les objets, ok? Pierre 4 et la run, on peut aller à l'Urnia safe là. Go Kaelid Nord, ouais. Trop chaud. Tiens.
Je vais comme un bœuf là. T'as fait le boss du tuto, ouais, c'était un chevalier de Zamor. Mais j'ai pas fait celui de l'assassin des couteaux noirs parce que c'était face de verre. Voilà, en fait, je peux rien faire de plus là. Là, faut pas y aller. Ici, en nécrolimbe, je sais pas trop ce qu'il me reste. Il me reste ça. Là, c'était Mog. Mog, il y a moyen de le one cycle ou pas, vous pensez? J'y arriverai jamais, je crois. Je lui fais des bons dégâts, mais... Et lui aussi. C'est la P1. Le marchand d'os. Putain, je l'ai eu. Non, j'ai pas beaucoup de chance, ouais. Non, ça a pas été créé par les devs. Non, c'est un indépendant qui a créé ça. À cause du gel, il a pas pu ni heal. Attendez, donc c'est pire, c'est pile ici. Il n'y a pas de pierre 4, ça me gave. Je suis obligé d'aller à Lurnia en fait là. Maintenant. Là par contre, je vais prendre la max. J'ai pris des runes, non? 28 000. Je monte ma vie. Hein. Putain, mais je suis en charge lourde direct. Charge moyenne avec le saut sacrifié de Radagon. Mais je vais prendre la max niveau dégâts là. Faut que je monte l'enduit après. Il me reste que 34 minutes, c'est que dalle. Merci pour les bravos. Merci beaucoup tout le monde. Bon, en soi, j'ai PB, là. Non, j'ai pas PB, et non. Mon PB, c'est 37. Donc, j'ai pas du tout PB, en fait. Bon, on sait qu'on a pas mal, Enya. C'est un normal, nickel. Tiens, la barre de vie. Oh, les dégâts. Vas-y, je voulais me casser parce que j'y fais.
C'est lui ou moi. Je fais pas assez de dégâts, putain. J'ai pas assez de pierres. J'aime pas trop les armes de gel, moi j'aime bien combiner gel et saignement en fait. C'était chaud, ouais. Je pense que du coup, j'ai été bête d'améliorer l'épée bâtarde. Parce que du coup j'avais la masse qui faisait du saignement et j'aurais pu mettre la cendre de guerre que j'ai actuellement sur la masse. Juste se battre différemment, quoi. Ah, là, je l'ai enchaîné, ouais. Ah, mais je me suis pas TP, en fait. What the fuck? Je l'ai dégommé. En vrai, je l'ai dégommé. Un truc de Zamor. Ah non, c'est un assassin. Merci Mobidou pour le follow, bienvenue. Ah oh, vas-y, mais viens te battre en fait. Merci Moubidou pour le follow, bienvenue. Ah, je suis mort au setup. Et ouais. Je suis mort au setup, ouais. Et encore... Oh non, c'est un putride. Oh non, c'est Ezekiel. Attends. Pas descendre. Hein.
mais filez-moi une pierre 4 là. C'est trop chaud d'avancer. J'ai plus d'antiputré, bordel. Ah, j'aurais dû prendre le tableau, t'as raison. FDP. Yes. J'ai déjà t'as plus de trait de merde. Marchand de quoi ? De remède. Salut Raphaël, salut Mekilikon, bienvenue. Et hop, un dragon à la niche. Mais je vais là, pourquoi ? Mais ! Il reste combien de temps ? Putain, 24 minutes. Coucher le pierre. Bon, je suis pas mort, mais je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Putain. Un marchand de remède, c'est forcément là. Ah, du coup, ok, il y a toujours Cud. Merci pour les bien joués, merci pour les GG. C'est bien comme mode de jeu en vrai. T'as mis plus 30 sur la prédit. Salut Snake. Kajibi. Je suis pas chaud.
Putain, mais fais chier, je peux pas porter de... de jambière, quoi. Mal mort. Allez, un boss simple. Mourir. Oh non, ça le fait pas dans les grottes. Mais dans les... Oui, ça le fait pas là-dedans. Oh oui, je suis sauvé. C'est vrai que ça fait pas le... ça fait pas la congélation dans les grottes comme ça. C'était celui de Sol Castel, je le dis, c'était celui de la montagne des géants. Hein. La cime des géants. Hein. Ok. C'est trop fort pour moi, je vais aller là. Je l'ai déplumé. Arrête de grid. Ouais, non, j'ai grid parce que du coup, à partir du moment où j'ai vu que... bah que du coup ça congèle à paproc par terre. Vous voyez, il faut pas le laisser respirer ce truc là. Et si t'as du sacré, bam, t'y vas avec du sacré. Salut Zirko. Bienvenue. Salut putain. Il a fini en box de Wings. Ouais, le ciel étoilé est beau. Hein. C'est vrai qu'on prend pas trop le temps de regarder le jeu en lui-même, mais le jeu quand même, c'est une merveille. KFC, ouais. Et mes pierres 4, par contre, je me les fous au derche. Yes. Adieu. Merci pour ton follow. N'arrive pas à voir. Saint-Hubertus, merci pour le follow, bienvenue. Et Zirko, qui prend un prime, incroyable. Merci pour le prime, Zirko. Petit soldat. Bah du coup, je vais là. L'arme de vie, ouais. Le soldat qui est allé au front, le seul qui est allé au front. Ouais, deux larmes de vie en 5 minutes ici. Mais putain, mais je suis coincé! Il reste combien de temps? C'est surtout ça qui est intéressant. 18 minutes, ok. 18 minutes, ça peut aller vite. Hein. On peut passer par là? Je sais même pas. Ça bug ici à chaque fois. C'est là-haut. J'aurais dû aller en bas d'abord, la catacombe en bas. Ouais, l'alarme de vie, j'ai oublié. Débile. Alarme. Non, là, j'y vais pas, hein, je suis désolé. Là, si c'est un hocher, j'y vais. Je fais des dégâts perçants, c'est mort. Hein. Bonjour, bonjour, je t'ai découvert sur YouTube sur une de tes runs random, ouais. Sur Elden, et j'ai bien ri, continue comme ça. Mais écoute, bienvenue à toi, content que
de te voir passer sur Twitch, la Twitchosphère. Qu'est-ce qu'on a là comme... C'est un assassin, il va me faire archi mal. C'est un assassin normal en plus, donc là... Ah voilà. Il a bugué, non ? Ah, il a bugué, je crois. Il me voit pas. Non ! La portée, elle est indécente de cette arme. Je suis sûr que c'est pas celui qui a tué Godwin. Elle est l'alarme et tout là. J'ai éclaté le cerveau. Ouais, je l'avoue. Montée de niveau. Bisous Maxoubidou. Ciao, ciao. C'est quoi ton arme au fait? C'est l'épée bâtarde. Elle est très cool. Avec du coup, bah, cendre de givre dessus. Je trouve ça vraiment fort. Hein. Allez, un quart d'heure. Bon, bah, j'arriverai pas à PB, je pense. On est à 30. Hein. On est à 30. Concrètement, je suis mort au setup. Donc ça me fait me dire que vraiment... je suis beaucoup moins dégueu qu'au début. Hein. Beaucoup, beaucoup moins dégueu qu'au début. Non, c'est pas un légendaire. C'est un... Ça, c'est un légendaire. Et à droite, c'était pas un légendaire. Un truc pour le multi. Ah, mais je passe pas, là. Et j'ai une arme en plus, 11, donc en soi, c'est encore mieux. Hein. Ma perf, là. C'est... J'ai fait 30 boss avec une arme bah, beaucoup moins forte que ce que j'ai d'habitude. Merci Oden pour le follow. Oden Uzuki 33, la Gironde. Gironde. Le con. Putain, mais le con! Putain, mais en fait, je veux pas de, d'empoisonnement, là, voilà. Mais vas-y, je me roule dedans, là, connard! Je les déteste! Voilà! Déteste-eux. Ouais, salut à Chim. Salut Carcy. Enfin, il y a du combat ici, Carcy. Il y a enfin du combat. Je vais où? Là, il y a deux boss, mais j'ai pas pris le feu. Je suis débile parce qu'à l'arbre monde d'ici, je vais y aller. J'y vais par là. Comment ça va, Carcy? Tu viens voir les poulains? Tu viens voir les poulains?
C'est la bagarre, ouais. 31 boss. Hein. Et il me reste 12 minutes. Mal au... Ouais, tu m'étonnes. Ah oui, d'ailleurs, je pouvais pas hier parce que du coup, j'ai fait un entraînement en stream. Mais à un autre moment dans ma vie, je serais OK pour faire un truc comme ça. En vrai. Tombe, un shot. T'en as bu beaucoup ou pas, Carcy? Carcy, hier soir, il s'est fait un only up. Si je tombe, je bois un shot. Alors, comment te dire? J'en ai bu 2000. J'ai regardé la rediff, j'étais mort de rire. Ça devait être drôle. Mais je pense que vraiment, c'est le truc, faut vraiment avoir rien le lendemain, quoi. Là, pour le coup, genre vraiment zéro de truc de prévu le lendemain. Au bout d'un moment, il n'y avait plus besoin de tomber. Ça a fini en apéro après. Apéro chat au KLM, putain, ça doit être drôle. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait, moi. Ouais, c'était bien cool. C'était genre la première fois que tu faisais un truc comme ça ou pas, Carcy? C'est Carcy qui est tombé, ouais. Quand Carcy tombe, tout le monde fait un cul sec de bouteille de rhum. Entière, attention. Salut Qualito, bienvenue. Ah, c'est la première. Il y a une case à cocher, j'ai vu, genre adoration de l'alcool et compagnie, truc de zinzin. C'est une boîte de nuit. Incroyable. Alors qu'est-ce qu'on a là? Allez, j'y vais. Regarde ça, les guts, Carcy. Oui, il fait de la putrée, c'est vrai. Ah voilà, c'était sûr. J'ai aggro la terre. J'ai pas d'anti-putré. Trop content qu'il fasse des sorts à distance, lui. J'ai pas d'antiputré. Mais j'ai des runes. Là, y'a pas un feu là? Mourir? Mourir parce que je suis une grosse merde? C'est vrai qu'on me fasse quand même, hein, c'est beau à voir. Mais ça m'a tellement fait me sortir les doigts du derche. Bon, vas-y, fuck les runes. Grâce à ce défi, maintenant, mes setups, au lieu de durer 8 heures, ils durent 1 heure. Tu te rends compte? Et j'arrive même à pas les tuer, Gréoles. Elles ont poussé. Elles sont hérissées, maintenant. Elles en veulent. Elles en veulent. C'est la vie. Non, mais franchement, en plus, même pour moi, c'est beaucoup plus plaisant, parce que... J'avoue que les setups où je me chie dessus... Ça, c'est un peu relou, quoi. Donc là, je vais retourner avec ma Moon Veil, justement, en combat. All bosses. Et on va voir la différence. Après, faut pas que je grid trop, quand même. Le mec, il a des balls hérissées, quoi. Incroyable. C'est des balls qui piquent. C'est les globes. C'est les globes. Fallait juste décoincer. Bah, en fait, vu que j'avais les deux mains dans le fion...
Il a fallu d'abord en sortir une en lançant le Holbo 6 Randomizer. Et la deuxième, j'ai dû la sortir pour m'entraîner pour la Carsi Cup. Je tiens à dire que c'est mon 5e entraînement. J'adore. Putain, mais en fait, il me reste que 7 minutes là. Pas le temps, niaiser. Pas le temps, niaiser. 32 boss, ok. Et j'ai PB à 37 du coup. J'ai PB à 37 boss, ouais. En fait, ce qu'on fait, Carsi, parce que. On sait très bien que quand on meurt, on va devoir relancer. Concrètement, on s'est dit, hein, si on meurt, la run, elle est foutue. On est éliminé, quoi. C'est pas possible de relancer une run et d'essayer de faire des boss, quoi. Ouah, au secours. Je suis coincé, je peux pas bouger. Ok, bon, mais voilà, ben, tu vois. C'est qu'on enlève un boss, du coup. Mais je pouvais pas bouger. Donc j'enlève un boss, je suis à 31. C'est pour continuer en fait à setup et tout, parce que sinon 2h30, on peut pas. On peut pas quoi. Du coup j'y retourne. Ah ça, à 7 minutes de la fin. Non mais hier, à 2 minutes de la fin, je suis mort avec Malikette. Malikette dans un KGB qui m'a défoncé la gueule. Non mais là voilà, c'est fini quoi. Voilà donc j'ai moins un boss. J'y retourne. Le plaisir. Faut y aller au cap, putain. Ok. La mal mort en plus. Mais quel régal. Et si t'allais crever. Putain, y'a la mal mort qui proc à fond. Je grille tellement là. Allez, vas-y, j'y vais. Go le boss, je trouve c'est rentable. Récupère mes runes, comme ça je fais croire que je suis pas mort. Ok, go. Go le boss, là. J'ai plus de vie. Je sens que je vais me faire éclater. Mais qu'ils aillent tous se faire foutre, en fait. J'ai toutes les altérations qui proquent. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Putain de baron. Oui, je sais que c'est interdit, je me suis trompé. Quand c'est des soul mou, c'est ça. Bon. Écoutez, on aura vu le duo, mais en même temps, tu peux pas y aller au duo. Tu peux pas aller au duo en même temps. Comment tu fais là? Tu peux pas y aller au duo. J'y retourne. Petit dragon pour t'accueillir. C'est l'endroit safe. Ici, c'est la safitude. Je pense que je vais y aller comme ça. Accroupi courant. Donc lui, déjà, faut qu'il meure en fait. Abondamment. Voilà. Salut Flo Ayrton du coup. Salut Charlie Pimpon. Faut qu'il aille se faire foutre lui fort. Salut à ceux qui arrivent, hein. J'y retourne. Un soupçon de haine, ouais, j'avoue. Franchement, car si tu veux pas faire un truc genre... Quand on meurt une fois, ça fait moins 1. Quand on meurt deux fois, ça fait moins 2. Quand on meurt trois fois, ça fait moins 3. Allez, s'il te plaît. Allez. Oula. Mais les deux, là. Vas-y, j'y vais. Ouah, vas-y, fuck. Vas-y, j'y retourne pas. Allez, je passe à 29, j'en ai rien à foutre. Vas-y.
Vas-y, j'y retourne pas, là. Il me reste 2 minutes 30 pour faire un boss. Pour la prédit, pour ceux qui ont mis 30 et plus. Non, mais... Putain, mais mon arme, elle est en plus 11. Le game changer, c'est les cailloux. Merci à Saint-Hubertus pour le Prime. Merci beaucoup. Une fois, ça fait moins 5, ouais. Ça serait pas con, ça, aussi. Bon, l'arbremonde, on l'a fait... putain, mais là, on a fait tout le monde, en fait. Là, je sais plus, il y a les gargouilles vaillantes. Là, j'ai pas fait. Mais j'ai pas le temps d'y aller, là. Je vais aller faire face de verre. Go, face de verre. Non, mais les cailloux, c'est les nerfs de la guerre. C'est le nerf de la guerre, en effet, ouais. Il me reste combien de temps? 1,45, putain. Ça passe pas, je pense pas. On change un peu, là. On change un peu. Salut, Brini. On change un peu de la mort. Hein. On va aller voir la Malmort de près. Et en une trente, c'est faisable, non? Allez, monte. Une douze. Quatre. Putain, ça passe trop vite! Cinquante-quatre secondes. Cassé le pot! Je pensais jamais que ça passerait ce saut. Mais quand j'ai vu les autres le faire, ben vas-y, je me suis dit, vas-y, go! Fais-le toi aussi. 36 secondes pour face de verre. 32. Nuit du vin, la tombe de héros la plus rapide ici. Ah ouais? Allez, moi, je veux de la Malmort, là. Sur le gong, mais non, ça devrait compter, ça. Chaque boss commencé avant la fin compte. C'est ma règle. C'est ma règle. J'ai inventé. Bon, ça aurait pu. J'avais déjà ouvert la porte. Ça compte ou pas? Ça compte ou pas? Ça compte ou pas, du coup? Non, ça compte pas. Je suis à 29 toujours. Merde. Et non, je l'ai pas eu au bon moment. Et ouais. Désolé. Non, mais ça compte pas. C'est de 25 à 30, du coup. Bon, 33. Moins de 3, du coup. Dommage, ouais. Dommage. Pourquoi t'es au bout de ta life, Flor Ayrton? T'as picolé? Ou t'es malade? Et ouais, dommage. Dommage. Bon, quand même, c'était un bon entraînement, je trouve. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, j'avais... Quand même, je suis allé jusqu'à 33 boss, on va dire, avec une arme en plus 11. Le bouclier m'a sauvé, hein, quand même. Le bouclier m'a bien sauvé. Et après, il n'y a pas grand-chose de fou hein, dans ma run, là. La grippe, ok, putain, merde. Ouah, courage. Faudrait demander, vu que t'as commencé le fight avant la fin du gong. Ben, je sais pas, ouais, ça serait pas mal, ça, de savoir si, par exemple, quand... ouais, là, admettons, t'es à 2h29, tu rentres, et si tu mets plus d'une minute, est-ce que le kill compte, quoi? T'as pas picolé, d'accord, j'ai cru. Bon, ben, c'était très cool. Mais écoutez, YouTube, des bisous, prochain entraînement, on PB, et on meurt pas. Ciao, YouTube.